Bonjour tout ça, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les livres que j'ai achetés dans le magasin, que ça fait la troisième fois je crois que je vous présente, qui est celui-ci. Hop. Je vous mets correctement, voilà, il y a un site aussi. Vous marquez le nom complet avec .be et c'est des livres un peu d'occasion, enfin neuf occasion, parce que c'est neuf mais on paye moins cher. Du coup je vais vous montrer ça. J'ai d'abord retiré le sac, enfin, les deux sacs, parce que j'en ai deux sacs. Ça fera beaucoup moins de bruit. Je vais vous montrer, j'en ai un qui est pas pour moi mais il est trop beau, j'adore. Du coup je vais vous le montrer en premier. Ne me demandez pas le nom, il est trop beau. Voilà la couve. Je ne sais pas si vous avez vraiment voir les détails des dessins dessus. Si c'est, je suis sûre que tu passes par ici. Mariette, il est là. Je voulais le montrer à tout le monde. Il est trop beau. J'adore l'objet livre. Il est magnifique. Voilà, c'est pas un livre que moi je lirais, mais en fait je l'ai, enfin j'ai fait une photo pour elle et du coup voilà. Et du coup le livre est à logiquement à 21 € à l'arrière et moi, enfin pour elle, elle l'a eu pour 4,95 €. Voilà, mais la couverture est magnifique. Voilà, et en plus il est à l'intérieur, il est beau, j'ai vu un truc. Quand je l'ai un peu feuilleté, mais par hasard je ne vais pas le trouver. Non, je ne vais pas le trouver. Voilà. Il y a un peu comme un petit livre dedans. Il a l'air pas mal comme. C'est le prénom enfin. Ah oui, d'accord. Je ne vais pas tout lui montrer parce que sinon elle va, si elle le voit avant de l'avoir en main, je ne vais pas lui faire. Bon, maintenant, elle peut regarder. Du coup, je vais vous montrer quoi en premier. Celui-ci. Je me suis procuré celui-ci. Avec des si et des peut-être. De chez Michel Lafond. De hop, je sais que c'est pompe. Il est trop beau. Bien sûr, on me parle. Il est trop beau. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'en avais entendu parler. Du coup, voilà. Je me dis pourquoi pas, pour changer un peu. Il a l'air si court que ça. Le professeur de français, Maxime, vit en colocation avec Claudine et ses crèmes de jus d'herbe fermentées. Elle aime flamber ses élèves. Stroma court avec deux meilleurs amis, 300 mettre et aller chez le dentiste. En fait, il y a plein de parenthèses. Ma soeur Max croit au signe et au message de l'univers. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de demander et si j'étais allée ici plutôt que là, et si j'avais fait ceci au lieu de cela, mais ma vie serait-elle chamboulée? Mon bon prof de français, Maxime, aime le conditionnement, mais à trop réfléchir avec ses si et des peut-être, ne risque-t-on pas d'oublier de vivre au présent? Et si la vie décidait de lui réserver une drôle de tour? Voilà. Il est très beau. Voilà pour le deuxième livre. Après, je me procurais celui-ci. Vous allez entendre klaxonner. Vous allez entendre. Oh, un mariage. Certainement.
Du coup, ce cil était aussi à 14 euros, enfin je vais dire 15 euros pour arrondir, et je l'ai eu pour. Tiens, j'ai pas l'étiquette sur celle-ci. 4 euros aussi, je l'ai eu. Voilà, je vais retirer le bandeau parce que. Bien sûr, j'ai déchiré le bandeau. Parce qu'on avait dit que le film était bien. Je crois que j'ai le film que je dois regarder. Et je me suis pris le livre. Voilà. C'est aussi de. Ah ben oui, il est là. 4,95 euros. De chez Michel Lafon. Voilà. Il me tentait bien, du coup, voilà. On verra bien. Après, il y avait celui-ci qui me tentait aussi. Comment j'ai appris à voler de chez Hugo Nieuwenhuis. Les noms des auteurs. Voilà, je trouvais la couve très belle. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Enfin, je l'ai pris. Et celle-ci, j'ai vraiment pris pour la couve en fait. Je l'avais vue en neuf. Je voulais me le prendre, mais après j'ai dit non, on va attendre. Et j'ai trouvé d'occasion. C'est encore mieux. C'est Sam a toujours rêvé d'être une ballerine professionnelle, mais c'est avant que son corps se mêle à s'endrondit dans son drôle inappropriété, et bientôt la jeune fille qui la regarde dans le miroir revient à une étrangère. Après une série de crises, de piqûres, sa mère qui ne peut sans ceinture. Ça a l'air d'avoir. C'est une fille malade, qui est malade et qui fait de la danse. Ouais, bah on verra bien. Je vais pas tout lire parce que j'ai pas envie. Elle va grandir dans. Bon, j'espère que le roman me plaira. Voilà. J'ai eu trouvé celui-là aussi qui est à 4,95 au lieu de 17 euros. Oh, il est neuf. Hein. Ils ont rien du tout, les livres. Excusez-moi, mais j'ai le. Ok. Lis to you. Au début, je pensais qu'il était en anglais, mais non. Ça va, j'ai pas eu en anglais. J'ai de la chance. Je connais pas non plus. J'en ai entendu parler. J'ai mon chat qui m'a détruit mon sac. Voilà, la couve est très belle. Ce que Kat préfère au monde, c'est le lac au pied de la maison, dans l'endroit rêvé pour faire. Le plein de soleil et de solitude, car il faut s'avouer, communiquer avec Camara. C'est pas vrai, c'est fort. Pourtant, quand la meilleure amie Amelia la supplie de rejoindre l'équipe de Pocket. Au lycée, Kat accepte de changer. Après tout, elle pourrait livrer des bons conseils aux éditeurs tout en restant bien cachée derrière son micro. Ah ouais, elle va faire le digmat. D'accord. Digmat. Et puis où elle va jouer jusqu'au jour où une métis. J'en étais où? Jusqu'au jour où mystère jeune homme appelle pour faire une déclaration à Ken et non c'est en et sur il s'agit de leur copain Diallo qui manque pour Amelia. Une belle histoire où Kat aura-t-elle préféré de se voir au sien? Aura-t-elle pour une fois trouver les bons arguments pour convaincre son propre cœur. Voilà, c'est son meilleur ami qui va lui faire une déclaration. Ça doit être chouette, ouais, pas mal. Après, on a pour celui-là, toi plus moi égale Louis. Lui aussi, c'est 17 euros et je l'ai eu à 4,95. On voit bien l'étiquette orange là. Celui-là, il me tournait bien pour la couve, pour faire comme ça.
Non, je rigole. Je sais pas, il me sentait bien, je crois que j'ai déjà vu. Il est juste un tout petit peu défoncé là, mais pour d'occasion, à ce prix-là, à la place de 17, je vais pas me plaindre quand même. Je ne sais pas non plus, je sais que c'est un triangle amoureux, sensuel, phrase love. Voilà. Et ouais, c'est Ogyo New Way. Voilà. La couette. Celui-là, j'ai pas envie de le lire parce que voilà. J'ai pas envie. Et comme je compte pas le lire tout de suite, voilà. J'en ai tellement à lire que. Et j'en ai encore un à vous montrer, deux petits trucs. Et puis c'est PS I Love You pour l'ancienne couve qui était aussi à 17€. Là, je peux même vous montrer. Le livre est à 17€. L'étiquette est à 16,15€, qui est en promo chez, au magasin. Et moi, je l'ai eu à 4,95€. Du coup, voilà. Un jour, l'ennui en cours de chimie. Lise griffonne des paroles de chansons, préfère sur son bureau qu'elle s'assoit. À la même place le lendemain, elle découvre que quelqu'un a écrit la suite. Très vite, Lise et son mystérieux interlocuteur se lancent dans une conversation infiltrée. De la jeune fille n'a jamais autant eu envie d'aller au cours, mais surtout pour y savourer sa... trouver sa lettre du jour, dernier groupe de musique indiqué à découvrir ou confidence plus intime, tout ensemble des rapprocher et tout semble les rapprocher alors qu'il l'inditude de son amour et puis purée, épisodaire de dévoile. Lise aura-t-elle découvert la musique de son cœur? Voilà, ça parle de musique, ce roman. Oui, il me tente bien aussi. Je pourrais peut-être faire le challenge de cocooning. Il rentre dans le truc musique. Et pour le dernier, que je suis amoureuse, que là j'ai envie de le prendre et le lire, mais je vais commencer mon livre qui est juste là, qui est Campus Drive, le tome 1. Je suis dedans, j'ai pas lu beaucoup encore, j'ai lu 50 pages, mais j'ai envie de l'arrêter celui-là pour commencer celui-là. Du coup, c'est La fille en l'entre des étoiles, mais il est trop beau. Et si je vois bien, c'est un peu fantastique. Regardez cette carte, elle est trop belle. Voilà. Et le livre est beau avec les petits dessins partout sur les... Partout, vous voyez là, il y a un petit rayon de soleil au chapitre. Et alors, la quatrième de couverture. Chacun de nous porte sur sa peau une carte de sa vie. Dans sa façon de se mouvoir. Et même dans sa façon de grandir. Un voyage sûrement envoûté. Un ennemi. Ça, c'est le bleu que je vois pas avec la lumière. En central. Une amitié indéfutible. Là, je sais pas si vous voyez. Là, il y a du bleu là. Et je vois pas trop bien les mots. Heureusement, l'avant. Comme sur le côté et l'arrière, ils sont trop beaux. Et la couleur ne rend pas vraiment. C'est un orange un peu pétant. Il est trop beau. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous montrer deux petits trucs que j'ai achetés. Ça, c'est pas dans le même magasin. Je me suis procuré deux petits marque-pages comme ceci en bois. Hop, je vous montre. Et après, je vais vous montrer plus près. L'amour des livres est le meilleur de tous.
sais pas si vous allez vraiment bien voir l'écrit. Peut-être si je le sors du papier, être mieux voir l'écriture. Peut-être comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Ouais, je pense que vous allez voir. Voilà. Et l'autre, je vais faire comme celui-là, le déballer. La lecture ne nuit pas à la santé. Hop, si je recule. Ne nuit pas à la santé, la lecture. Voilà pour les deux petits marque-pages que j'ai. C'est un peu en bois. J'aime bien. Du coup, voilà, je me suis procuré ces petits marque-pages. Sur ce, dites-moi lequel qui vous fait plus plaisir. Moi, celui-là, il me tente. Oh, j'ai trop envie. Sur ce, moi, je vous... mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée si vous le regardez au matin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! T'as mieux que moi. Petite tacha brocante, donc 3 encore sous blister. Okay, c'est toujours avant, peut-être un petit peu team, ça c'est bien. Hmm.